Charge de l'ours blanc, j'allais dire charge lourde, tu vois, mais c'est pas ça. Attaque runique, rapide attaque de charge rapide, suivi d'une frappe, Kratos est protégé pendant la charge. Je verrai plus tard avec ça. Non, pas cette musique, Captain. Voyons. Ah, du coup, j'ai besoin de vie maintenant. Ouais. Voilà. Strowman, colonel. Ah, ça doit faire mal. Quoi, on se bat pas contre ce truc? On se bat contre ce truc. Ouais. Putain, enfoiré. Déjà, toi, et toi, oula, tu bouges. De francs, ça passe de francs. Regarde, hop là, hop là, hop là. Baston, pas de France, c'est Donkey Kong des Enfers, exactement. Avec la rage, oui, MDR, GG Warlocks, GG Warlocks. Merci beaucoup, j'ai pris tellement un charme, mais merci. Enfin, j'ai pris un peu cher, pas tellement, mais j'ai pris même peu cher. Ouais, faut dire qu'après le jeu, je le connais plus, quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, flamme de glace, je pourrais améliorer la hache de Léviathan du coup. C'est cool, ça. Oh, tu vas prendre. Symbole de vérité, objet rare, enchantement. Ok, enchanté de t'avoir rencontré, enchantement. Bah du coup, il faut que je retourne là-bas. Hein. C'est quoi ça? C'est juste de la neige. Allez, go! Base de la montagne. Je comprends pourquoi maman voulait qu'on l'amène ici. En effet. En effet. Qu'est-ce que je fais quoi avec ça? Moi, je peux le péter ça? Non. Non, c'est pas pour de suite. Impossible à brûler ou à couper. OK. La réplique de Chilk, c'est ça, en effet. Coucou, y'a quoi ici? Est-ce qu'il y a encore un boss? Parce que ce jeu, il a l'air d'en être truffé. Comme Truffaut.
pardon. Ne t'approche pas. Bah, qu'est-ce que c'est? On doit trouver un autre chemin. En effet, le clin d'œil à Chilke, Truffaut, merde. La magie est impuissante contre le souffle noir et on ne peut pas le contourner. Odin s'en est assuré il y a longtemps. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que tu puisses finir ton voyage. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? J'étais occupée à sauver mon ami. Tu te souviens? Le souffle noir est un puissant détournement de magie contre lequel je ne peux rien. Seule la lumière d'Alfheim est assez puissante pour le repousser. Mais la route est longue. Que signifie ce voyage à tes yeux? Absolument tout. Suivez-moi. Pourquoi nous aider? Peut-être que je me retrouve en toi plus que je ne voudrais le reconnaître. Peut-être... Parce que tu es une coulance, peut-être pardon. Peut-être qu'en t'aidant, j'espère me racheter. C'est pas vrai, n'écoutez pas ce que j'ai dit, ce sont des propos scandaleux. Ou peut-être que je vous aime bien. Même si on a blessé votre ami? Même si vous avez blessé mon ami, oui. Où devons-nous aller? Dans un royaume, bien loin du tien. Pourquoi nous aider? Tu veux des nuques? Pimpin, péter les chevilles. On va dans un autre royaume? Vous venez avec nous? Seulement pour un temps. Juste pour un temps. Et pourquoi vous courez et moi je peux pas courir? Enfin, je peux pas. Oui, scandaleux! MDR, vite, appelez Dolphini. On va se servir de ça. Greta. On peut pas. Sindri a dit qu'il était cassé. Sindri? Le nain au pied de cette montagne. Il le réparait quand on est arrivé. Je n'ai vu personne quand je suis passé. Attends, il est peut-être fini. Oh, il y a un mur invisible. C'est agaçant, en jugé par les deux qu'on a rencontrés. C'est vrai. Oh. Tourne ce levier. Quel levier? Ah, celui-là. Là. Dans le fini, si tu es parmi nous, tape une fois. Le temple de Tyr est au centre du lac. Dans le fini, il est là, hein. Oui, il est là, il est en silence, mais il est là. Lolo. Espérons juste qu'il ne soit plus sous l'eau. Que fait cette créature dans le lac? Nul ne le sait. Il est apparu un beau jour. Peu après, Thor l'a attaqué et leur combat a fait trembler tous les royaumes. Oui, quel nuque doit-il taper? Et Thor est reparti voir Odin. Mais la nuque du gorille qu'on vient de démonter, non? Enfin, le gorille. Resté, c'est un gorille, mais j'ai même pas vu le nom. Au point d'entourer tout Midgard. Tu vois, je te l'avais dit. Ils se détestent depuis ce jour. Et ils finiront par s'entretuer lors du Ragnarok. Vous croyez au Ragnarok? Mais Ragnarok, c'est Thor, non? J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Vous savez, on a parlé au Serpent Monde. Vraiment? Une exagération. Je suis doué pour les langues, même celles que j'ai jamais entendues. Mais quand il parle, je comprends pas un mot. Personne ne le comprend, hélas. Il parle une langue morte. Oh. Il doit se sentir seul. D'accord, donc en fait, toi tu attends là. Espèce de victime, mais tu me dis pas qu'il faut passer la porte. Hein. Regardez où vous marchez. Par ici. Vous êtes sûr? On est déjà passé par là et il n'y a aucun moyen de traverser. Vous voyez? Tu en es certain? Je vais te montrer quelque chose. Tu regardes bien? Léostre. Hein? Il est solide. C'est de l'architecture elfique. La corde de mon arc a été baignée dans la lumière d'Alfheim. Grâce à elle, je peux ranimer la magie des elfes. Attendez, il va pas disparaître? Non, pas tant que la lumière brille sans entrave. Par ici. J'en veux une. Ces racines, de quelle magie s'agit-il? Celle d'Evan. De Vanaheim? Tu les connais?
Seulement quelques histoires. Mais ça parle beaucoup dans ce jeu. Pas grand-chose sur les dieux Van, à part qu'ils menaient une guerre perpétuelle contre les As. J'imagine que comparé à Odin et Thor, ce sont les gentils. Il n'y a pas de dieu bon, Atreus. Je te l'ai déjà dit. Et là, je dois deviner qu'il faut que j'ouvre la porte aussi, hein. D'accord. Moi, je sais, vous savez, j'aime bien chier sur le jeu, mais pourtant le jeu est bien. Le temple de Tyr. Le grand Tyr l'a construit avec l'aide des géants. Et grâce à lui, il parcourait les 9 royaumes pour y maintenir la paix. Ils m'ont pas l'air très paisibles. Partout où on va, on se fait attaquer. T'as toujours quelque chose à dire en fait, un peu comme les toi, oui, Captain. Oui. Sont de plus en plus nombreux. J'ai vu ça sur GTA. Les routes et les chemins étaient couverts de gens. Aujourd'hui, ils ont fui où ils se cachent. Seuls les pillards sont assez sauvages pour survivre dans ce monde. Ah, mais des fois ça fonctionne le sprint. Là, apparemment. Ah, voilà, oui. Il faut aller où, madame? Tournez à droite au bas de ces marches. Tournez à droite après 200 mètres. Quoi, de quoi parler? De quoi parle? De quoi? De quoi parle Warlocks? Je ne comprends pas. Bah, de GTA? Streamer clash Samodo au calme. Je taquine. Il n'y a pas du clash. Attendez là, je vais ranimer la lumière. Captain, chante, tu devrais chanter un peu, Warlocks. Tu veux que je chante quoi, loulou? C'est quoi GTA MDR? C'est le jeu de. Tu sais, le jeu de braquage. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On va réparer le mécanisme. Le jeu auquel j'ai joué cet après-midi, quoi. Commence par soulever cet essieu. Je peux pas aller là? Moi, je peux pas aller. Bien. Maintenant, remets-le en place. Maintenant, aligne la roue sur le rail. Je connais pas GTA. Moi, vous devez confondre. Deux minutes, Kratos. Vous devez confondre Warlocks. Parfait. Et maintenant, pousse le pont le long du rail. Bah, c'est pas GTO, Captain. Wow. Tu peux en être sûr. Tu peux tourner tout le pont. Comment est-ce que tout le c'est une chansonnette, bref. Oh, t'es vraiment très fort. Jusqu'à ce que le pont revienne dans sa position initiale. Si j'étais où avec moi, MDR? Non. Il a toujours été très fort. À propos de ces morts, on a entendu quelqu'un les appeler des éléants. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de pauvres âmes tourmentées qui ont été privées de jugement et de paix. Par qui? Est-ce que la magie des vannes peut ressusciter les morts? Elle le pouvait autrefois. Mais il ne s'agit pas d'un sort. Ce fléau est le signe d'un... Prévenez quand je dois m'arrêter, hein, parce que sinon on fait un tour de manège avec moi. Hein. Quelque chose ou quelqu'un a perturbé de puissantes forces. C'est tout ce que je sais. Ah ben ça s'est arrêté tout seul. C'est parfait. Remontez. C'est prêt. C'était très impressionnant. Tu t'es pas fait mal au dos, j'espère. Mon dos va très bien. À travers ces portes. Il n'a pas mangé de nux pour Attendez, ça. Ce sont les géants ou les elfes qui ont construit le temple de Tyr? Toutes les races ont aidé à sa construction. Ce fut le dernier grand acte de coopération entre les royaumes avant que la paix disparaisse pour de bon. Ok. En fait, depuis tout à l'heure, je suis comme un robot, mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. À part suivre. Lios. La corde de votre arc ne brille plus. Son pouvoir s'est épuisé. Il ne restait plus que quelques encoches de magie dans la corde, et nous les avons toutes utilisées. Passe-moi ton arc. Quand vous aurez trouvé la lumière d'Alfheim, infuse ta corde de cette puissance. N'oublie pas. Tu vois, la coopération existe entre les dieux aussi, c'est fou. Oui. C'est le cas de dire. Je me tais. Non, mais moi je suis au courant, tu vois. Alors. Je vais essayer.
mais on a fait en sorte que je ne puisse pas quitter Midgard. Pourquoi ? Les dieux ne m'apprécient guère. On y est ? Il fait si sombre. Ce temple a dormi sous l'eau pendant presque 150 hivers. Il n'attend que la lumière du Bifrost pour revenir à la vie. Ils ont découvert une salle de passage entre les royaumes. C'était un mini spoil des familles. Votre magie produit pas ce genre de racines. Elles sont différentes. Ce sont les racines du grand arbre monde. Elles permettent de voyager entre les royaumes. Spoil au calme, Tonio. Bah ouais, tranquille. Comment ça fonctionne ? Tu auras besoin de ça, un Bifrost, pour passer entre les royaumes. Bifrost, Bifrost. Il emprisonne, retient et transfère la lumière d'Alfheim. Place le Bifrost ici. Mais bon, très difficile de comprendre où je vais en venir si on ne connaît pas. Ouais, le temple a besoin de temps pour s'éveiller de son long sommeil. C'est dans cette salle, et dans cette salle uniquement, que vous pourrez ouvrir le passage entre les royaumes. Ce que vous voyez représente le temple dans lequel nous sommes. Bah, c'est difficile que ça, je trouve, Tony. Bah, c'est parce que tu connais le principe. Dehors. Et l'histoire de tous les Kratos, royaumes en fait, existent dans le même espace physique et sont le reflet les uns des autres. Ces portes, les tours là dehors et les 9 royaumes sont tous entrelacés et coexistent sur les branches de l'arbre monde. Seule la lumière d'Alfheim les sépare. Cet endroit peut concentrer et contrôler cette lumière. Alors c'est ça l'arbre monde ? Non, ce n'est qu'une représentation artistique. Yggdrasil ne se résume pas à cela, il est bien plus. L'arbre monde est lié au destin du monde, tout comme nous le sommes. L'arbre nourrit nos terres. La rosée de ses feuilles alimente nos vallées et nos rivières. Par son existence, l'arbre soutient toute la création le long de ses branches. Son énergie vitale se fond dans la tapisserie de la vie. Naissance, croissance, mort et renaissance. Tous ces fils transcendent le temps et transcendent l'espace. Et tout revient à l'arbre. Voilà. Cela fonctionne ainsi. Mais j'imagine que tu attendais une réponse plus pragmatique. Oui. Très bien. Le pont que tu as poussé dehors est positionné pour mener au royaume de Vanaheim. Maintenant, tourne la roue jusqu'à notre destination, Alfheim. Oh, est-ce que le grand pont dehors bouge en même temps ? Oui. La roue fait bouger le pont, et le pont s'aligne avec les différentes tours des royaumes sur le lac, dehors. Mais ce royaume n'a pas de tour. C'est pour ça que le voyage vers Jotunheim est impossible. Si le pont n'a pas de tour sur laquelle s'aligner, la séquence ne peut commencer. Chaque royaume dispose d'une rune qui débloque le pont y menant. Je te donne celle d'Alfheim. Tu peux choisir ta destination maintenant. Et il faut que j'aille où ? Oui, imagine Kratos répond en disant « Oui !» Ce serait pas crédible. Nous sommes prêts. N'oublie pas de suivre le Bifrost. Ne le perds surtout pas. Maintenant, le pont de passage va s'aligner. Et le monde entre les royaumes va s'ouvrir. Vous voyez ce cristal géant ? Chaque royaume possède le sien. Il concentre et amplifie le pouvoir du Bifrost et ouvre le pont vers le royaume. Voilà pourquoi le passage entre les royaumes n'est possible que depuis cette pièce. Et pourquoi est-ce qu'il manque une tour sur le lac ? La tour de Jotunheim a disparu de tous les royaumes il y a de cela plus de 100 hivers. Quand les géants ont quitté Midgard, personne ne sait où elle est passée, ni comment ils l'ont déplacée. Donc là, logiquement, je suis à Alfheim. Suivez-moi. Le Bifrost est noir. Elle est où ? C'était son dernier voyage. Vous ne pourrez pas revenir tant que vous ne l'aurez pas rempli de la lumière d'Alfheim. Alors nous sommes coincés.
quelqu'un avec tes ressources n'aura aucune difficulté à revenir à Midgard. Et on pourra repousser le souffle noir ? Une fois que vous aurez la lumière d'Alfheim, oui. Attends, y'a rien à fouiller ? Non, y'a rien. Bienvenue à Alfheim, messieurs. Vous pourrez apercevoir la lumière. Je la distingue à peine. Ce n'est pas normal. Tu vois cette colonne de lumière au loin ? Elle est située dans un temple en forme d'anneau, ce qu'on cherchait là-bas. Non. Non, 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 c'est pas vrai, pas déjà. Que se passe-t-il ? Pour rétablir la magie du Bifrost, tu dois entrer dans la lumière. Mais prends garde à ne pas te faire piéger dans les... Allez, avec l'accent Akayu, Akayu, qui est Akayu? Il y a peu de chance. Akayu le Pokémon? Viens. Je me rappelle plus de la voix qu'il a Akayu. Incroyable. Hein. Reste à côté de moi et ne touche à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il y a des trucs à fouiller. Moi, je veux fouiller d'abord. Voilà, fouiller, c'est mettre des droites dans les pots. Ce côté là y a rien, ok, ce côté là y a rien. Je crois que tu l'as tué. Regarde là-haut. QA, la voix de Rakayu, il a compris des droites, des gauches, MDR. Ah ouais non mais Rakayu. Moi pas avoir compris de quoi t'en parler, Tonio. Non, je me trompe de bouton. Là. Wow. Pourquoi ils ont fait ça? Ça ne nous regarde pas, Atreus. Concentre-toi. Ah, attends. Atreus. Viens. Qu'est-ce que ça dit? Ça parle d'une guerre éternelle pour la lumière. Je comprends pas, s'ils en ont tous besoin, pourquoi ils la partagent pas? Par cupidité, tu apprendras vite qu'elle est à l'origine de bien des guerres. Ils continuent de tuer les elfes blancs. Ça reste une guerre, même si elle est sur la fin. Les dépossédés ont perdu. Putain. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? On leur a rien fait. Ah oui, une quête très longue, alors si tu vas... tu vas en avoir des combats. J'en doute pas, franchement. Jusqu'à présent, tu vois, on avait beaucoup de combats. Et là, j'imagine qu'il va y en avoir plus. En Suisse. Et des énigmes. Oui. Tu m'as parlé? Non. Ah, oh, d'accord. Ok, toi tu vas ici, mais ici il y a quoi? Ici il y a un coffre. J'ai fait tirer une flèche à Atreus sans faire exprès. Eh, c'est un fragment de code structural. On devrait chercher les autres. Oui, on cherchera les autres. Pas de soucis. Il n'y a pas de sushi, mon petit Atreus. Vous le savez, comme d'habitude, il y aura une pause à une... au bout d'une heure trente de live. Donc, attends à peu près. C'est Sindri. Tu vois?
Donc dans à peu près, je sais pas, moins d'une heure en fait. Bah oui, bah. marque de zone de la boussole. La boussole devient dorée quand une tâche est à proximité. Chercher des indices dans la zone. Regarde, il y a un bateau recouvert là-bas. Ah oui, mon dieu, j'avais pas vu. Frère Chomaï, ce serait bien, Warlock, que tu regardes le jeu, tu vois. Allez. Il est dégagé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, y'a rien. Et là, y'a rien. C'est pas Brock ça? Ou Sindri, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, c'est vrai que je peux améliorer la hache de Léviathan, l'âge de Léviathan. Est-ce que c'est une bonne idée si j'améliore l'âge de Léviathan maintenant? Non, ce n'est pas le Snarr. Ce n'est pas le Lesnar. Lesnar, oui. Atreus d'abord. Atreus d'abord. Mais Atreus, je peux rien lui faire. Je peux pas lui faire à l'arc ou quoi. Ça, c'est les enchantements. Je m'en fous. Protection de torse. Ça pourrait être pas mal. Et ça aussi. Ok. On verra ça après le match. Flamme de glace, niveau 2, niveau 3. Je vais le prendre parce que j'ai la flamme de glace. Alors, s'il le fait, dis-lui de recuire l'acier plus longtemps. Faut pas abîmer mon travail. Ça coûte extrêmement cher tout ça. Ça va attendre un peu, je crois. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. J'espère que je ne précipite pas ton départ. Donc, attendez, je vais regarder un truc vite fait. Non, c'est pas la carte que je veux, tu vois. C'est. Oui, merci beaucoup. Oui, non, mais merci beaucoup. Voilà, moi c'est ça que je veux. J'ai combien? Ouh, j'ai 5000. Ben, on va tout prendre. Ça, c'est quoi? Ah, les deux sont pas mal. Voilà. Puisque j'ai de quoi faire. Non, c'est pas ce que je veux. Tu veux des piles? Ça coûte combien? Ça coûte 1000. Ça aussi. 1500. 1000, 1000. Et 1000. Bon, on va peut-être s'occuper de ça alors, hein. Voilà, je suis pauvre. Alors on continue. Atreus. L'argent, non, là c'est l'XP. Qu'est-ce que t'as dit? Salut FGCC GVW. Désolé si je dis mal ton pseudo. Bienvenue à toi sur le live. De ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. C'est bien, je vois absolument rien avec ce brouillard. Et merci pour le follow.
Appelle-moi William, ok, pas de problème. Rosée de récupération, nanana, épique. Bord, la rosée de l'arbre monde procure des bienfaits durables sur la récupération, augmente de 2 points de façon permanente. Ok. Eh bien, merci William pour le follow. Salut, bienvenue à toi, comment vas-tu? Merci de bien lire et respecter les règles du chat. Eh oui, il y a les règles du chat aussi. Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûr que t'avais parlé. Qu'y a-t-il, Atreus? Les voix! Tu les entends pas? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix en colère. T'as vraiment rien entendu? Non. Elle paraissait... maléfique. Pourquoi Atreus attend des voix? C'est une découverte comme toi, Capitaine, donc du coup... Je ne sais pas...